Ok les gars, dans cette vidéo, on shape une piste, on a 3 jours pour la shaper, on la teste, 2 épisodes, j'espère que ça va vous plaire, et puis let's go, c'est parti. Les forestiers m'ont détruit mon ancienne piste d'entraînement. Que je voulais rouler le mois d'avril, mai, juin, avant la saison, et puis un petit peu cet été, de temps en temps, après le taf. Mais ils m'ont tout détruit, voilà, donc c'est génial. Ils étaient censés faire couper un arbre sur deux, donc éclaircir la forêt, sauf qu'en fait, ils ont carrément tout détruit, quoi. Mais voilà, c'est comme ça, on rebondit, on construit une nouvelle piste, c'est parti, let's go. Vendredi, j'ai commencé le shape. J'ai fait une petite story sur Instagram pour voir si ça vous tentait que je fasse une deuxième épisode de shape. Donc voilà, là je me suis dit let's go, on va faire quelque chose de solide. J'ai sorti la caméra, j'ai sorti le drone, j'ai appelé un collègue pour qu'il vienne me filmer le samedi. Et puis let's go, on va faire une belle vidéo. On se retrouve premier jour sur la piste. On va commencer par nettoyer un petit peu la première partie pour voir un peu ce que ça donne. Vendredi, j'ai construit le premier saut, un petit step down. Je ne l'ai pas mesuré, il faudrait que je vienne le mesurer. Je pense que je vais aller chercher un mètre, de quoi mesurer un décamètre. Et je vais mesurer un peu les tailles des sauts. Et les gars, on va voir en direct la taille du premier saut. Donc c'est parti, on déroule tout ça. Et on va s'arrêter juste un petit peu avant là où j'atterris moi. On va s'arrêter par là. Donc on est sur du... Ouais, le début de la récep, on est sur du 9m40, 9m50. Donc voilà, si on... Et puis en général avec le DA, je suis plutôt par là. Après le premier saut, j'ai continué la piste, j'ai nettoyé un petit peu, j'ai ouvert de nouvelles crages. Mais en soi, la piste, elle était nickel. C'est une ancienne piste qu'on prenait déjà, donc voilà, elle était déjà très bien shapée. J'avais pas... Enfin, tracée du moins, elle a jamais été shapée. Et après, j'ai enchaîné sur le reste de la piste. J'ai ouvert la nouvelle piste du coup que j'avais déjà ouverte un petit peu à l'avance. Je l'avais tracée, mais je n'avais pas pour objectif de la shipper tout de suite. Mais vu que les forestiers m'ont détruit ma piste, je me suis dit allez c'est le moment, on va faire cette piste et il faut le faire. Petite mention spéciale aux jeunes locaux qui shapent sur mes pistes ou à côté de mes pistes. Voilà, je viens de voir qu'ils ont fait un nouveau petit truc sympa. J'ai vu ça la dernière fois à la GoPro, je ne savais pas ce que c'était ce trou. Que je n'ai pas creusé d'ailleurs, donc voilà. Petite mention spéciale à eux, c'est très très cool de venir shaper, que je ne sois pas seul à shaper dans le coin, le spot. Donc voilà, continuez comme ça les gars, et puis let's go, c'est que du plaisir. Faites vos pistes, faites-vous kiffer, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis comme on dit, no shape, no ride. J'ai commencé à creuser du coup ce gros virage qui tourne sur la gauche, pour faire un futur saut qui va être très très sympathique. Je vous laisserai regarder dans la suite de la vidéo. Du coup j'ai commencé à creuser ce virage, donc il y a beaucoup beaucoup de taf. Il est 18h, ça fait déjà pas mal de temps que je shape. Je vais rentrer chez moi et demain j'appelle du renfort pour m'aider à construire ce virage là en espérant en faire d'autres et mettre un bon coup de boost à la piste, sachant que j'ai prévu 3 jours de boulot et j'ai 2 jours devant moi, donc il va falloir donner tout ce qu'on a. Thank you.
Ok les gars, samedi 8h du matin, on est là, on est prêt sur la piste pour shaper. Donc aujourd'hui j'ai du renfort qui va arriver, je vais commencer à creuser en attendant qu'ils arrivent. Sur la piste, donc là on va faire un gros virage relevé sur la droite pour pouvoir conserver la vitesse par rapport à la piste, parce que là c'est une partie qui était en dévers avec un virage qui était très serré. Donc là il va falloir faire un bon gros virage pour qu'on rentre bien fort dedans pour pouvoir sortir vite et conserver la vitesse. Ça va être sympa aussi à travailler pour le niveau gainage et tout, ça va être vraiment très cool. Donc on va creuser ça. Terminé, il va être très cool, c'est super beau, il commence à pleuvoir, donc voilà, ça va être très très rigolo. Ils annoncent beaucoup de pluie pour demain et il me reste le saut du haut à faire juste avant le gros virage que je vous ai parlé précédemment, et en bas j'ai encore un gros saut à faire, donc voilà, je sais pas si je vais réussir à shaper ça avant la fin du week-end, mais on va tout donner et ça va le faire. Malgré la pluie, on est là, on taffe et puis on se bat pas. Seul, il est 16h30, donc on va continuer à shaper. Il faut que je finisse ce saut là, donc pas le choix, ça s'est arrêté de pleuvoir, donc on va creuser, empiler du bois, couper du bois. Je vais récupérer toutes les branches mortes un petit peu autour pour nettoyer un peu la forêt. Je vais les empiler, je vais essayer de planter des petits rondins dans le sol pour tenir mes bouts de bois, et je vais mettre de la terre derrière et on verra ce que ça donne. Je sais pas du tout si le saut va pouvoir sauter parce que je vois que le virage en bas est pas assez gros sur le début. J'ai peur qu'avec la pente je passe par dessus le virage et je réussisse pas à le prendre. Là, il est 19h, j'ai fini de construire ce petit saut, j'ai enchaîné sur tout le reste, j'ai continué à tasser un petit peu mes bosses, donc voilà, c'est très cool. On rentre pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour continuer la construction. J'ai un gros saut à faire en bas, donc ça va être très cool. À demain. Il est 8h du matin, il pleut tant qu'il faut en mettre, mais c'est pas grave, on va continuer la construction. Il faut que je finisse ce saut là, et l'avantage de la pluie c'est que je vais pouvoir monter, faire toute la piste et tasser un maximum les sauts avec la pluie, donc comme ça la terre va bien se compacter et l'eau elle va s'infiltrer dans la terre et ça va vraiment se mettre à la serrer, donc voilà, ça va bien la compacter. C'est midi, j'ai fini la construction de la piste, j'ai fini tout tasser, donc c'est vraiment très cool. Maintenant on va laisser quelques jours de séchage, voire 2 semaines de séchage. Moi je pars à Barcelone et on revient pour tester tout ça. Bon les gars, on se retrouve dans l'épisode 2 pour tester la piste. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, commenter, let's go, vous connaissez la suite. Il n'y a plus de stockage, bordel, il n'y a plus de stockage. Et j'ai le pull tout sale. Et ça glisse. On se casse. On se casse, ça rémunère pas assez YouTube. Oh.